Bonjour à tous, comme promis je vous fais une petite vidéo pour apprendre à vos chiens à donner, à lâcher sur commande parce que je pense que c'est indispensable dans notre société où on peut trouver des choses par terre qui peuvent être dangereuses pour eux ou pas très alléchantes. Donc pour éviter de vous battre avec vos chiens, on va essayer de leur apprendre à donner ou à lâcher avec consentement, d'accord? Donc, on va faire ça en trois étapes. Évidemment, vous ne faites pas les trois étapes d'un coup. Vous faites plusieurs petites sessions de 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Ça va vous demander de savoir jouer avec votre chien. Donc, si déjà vous ne savez pas jouer avec votre chien, apprenez, prenez le temps de prendre des jeux, de les faire courir, de proposer au chien de tirer, de jouer, de le faire gagner aussi pour que vous puissiez avoir un chien qui prend en bouche. Ça va être important pour apprendre à donner. Donc ça, c'est la première chose. On va découper en trois étapes. Donc la première étape, c'est qu'on va rien dire, on va façonner. On va faire en sorte que le chien lâche. Donc on ne va pas utiliser un os ou quelque chose de très fort en valeur, évidemment. On va utiliser un jouet. Ensuite, une fois qu'on a façonné quelque chose de très propre avec un chien qui donne très facilement, et je vais vous montrer comment on fait, on va mettre un mot dessus, donne, lâche, ce que vous voulez, d'accord? Donc on va mettre le mot pendant le comportement, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, on va donner le mot, voir si le chien a compris, voir s'il ouvre la bouche et récompenser. Ça nous permet de voir si l'assimilation a bien été faite. Si elle est faite, parfait, on continue, on augmente le critère. On travaille avec d'autres jeux, on travaille avec des choses plus difficiles. Des sabots de veau, de la peau de bœuf séchée, des choses qui puent, des choses qui ont crescendo de plus en plus d'importance pour le chien, d'accord? Pour pouvoir le faire lâcher sur n'importe quoi, même un os avec de la viande autour, un os charnu. Avoir un chien qui est malgré tout capable de lâcher ce truc qui a énormément de valeur pour lui. Il est évident que votre chien il doit être gagnant. S'il est perdant, ça va marcher une fois. Puis la deuxième fois, c'est possible qu'il vous demande une petite mise à distance avec un grognement. Ok, donc je vous montre avec mon chiot, sachant qu'il part de zéro, hein, il n'a que 12 semaines, donc je n'ai pas commencé vraiment à lui apprendre ça. Donc voilà, comme ça, je vais vous montrer les différentes étapes. A tout de suite. Alors n'ayez pas peur d'être ridicule hein, quand vous jouez avec votre chien. Je prends discrètement ma friandise. Je viens la placer à côté de son museau. Oh, ça ouvre, comme par magie, et je récompense. Super. Et on recommence. Oh, ça marche. Ok, ça vous le répétez quelques fois. C'est vraiment un échange. À aucun moment. Je lui ai parlé, je l'ai forcé, il a de lui-même ouvert la bouche, j'ai commencé à façonner quelque chose d'intéressant. Je vais passer à l'étape numéro 2. Super. Ok. Get. Ah ouais. Ouais, tu donnes? Yes. Wow, super. Super doudou, ça c'est vraiment bien ça. Super. Donc là on a bien vu que le mot a été donné, le comportement a été produit, la récompense est arrivée, bingo. J'ai un chien qui a compris que donne veut dire j'ouvre la bouche. Je vais vérifier avec autre chose. On va prendre deux autres jouets. Ah. La vache. Ah. 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 Ouais, bravo bébé. Super mon petit cœur. C'est bien ça. Ok, le ballon. Ah, le ballon. Ouais.
bravo. Il est évident que quand je demande le donne, je ne tire pas. Ok, vous ne bougez plus, vous attendez pour que le chien puisse ouvrir sa bouche. Super, et eh ben on essaye avec quelque chose de plus haute valeur. Sabot de veau, peau de bœuf séchée. Viens. Je lui donne la peau de bœuf séchée. Tiens. Donne. Yes. Wouh, super ça bébé. Super, je lui donne le sabot de veau. Oui, super bébé. Je ne sais pas si vous l'avez vu hors caméra, mais il a lâché. Hop. Tiens. Donne. Yes, oui. Super ça, mon gamin. C'est bien ça, mon bébé. Je le laisse repartir avec, parce qu'il a gagné, il a très bien travaillé. Ça fait 3 minutes au moins. Donc voilà, à vous de jouer. Et puis, entraînez vos chiens. Évidemment, hein, je l'ai un petit peu entraîné avant. Donc prenez le temps quand même de le faire sur plusieurs fois. À bientôt !